مرحبا بكم في درس آخر من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف المستوى الأول آآ. درس اليوم هو درس المحادثات باللغة الفرنسية وهي المحادثة الثانية من بعد المحادثة أو الحوار الأول الذي تعلمنا من خلاله كيف نلقي التحية أه المطلوب منكم الآن هو إحضار دفاتركم تدوين جميع العبارات والمفردات التي سنتطرق إليها خلال هذا الفيديو ترديد بصوت مرتفع أه إنجاز التمارين في آخر هذا الفيديو حتى تستطيعوا عند نهاية هذا الفيديو من ترسيخ بش... بطريقة جد فعالة وناجعة جميع العبارات وجميع المفردات الجديدة أه في ذاكرتكم وتستطيعوا حينها استعمالها في حياتكم اليوميه اذن هيا لنبدا الدرس درس اليوم هو كيف اقدم احد ما وكيف اقدم نفسي لا leçon d'aujourd'hui est présenter quelqu'un et se présenter في البداية سننصت إلى حوار يدور بين ثلاثة أشخاص بدون ترجمة، ثم سنعيده مرة أخرى مع الترجمة إلى اللغة العربية. حاول أن تنصت جيداً إلى الحوار وإلى العبارات التي يستعملها كل فرد من هؤلاء الأفراد. و. Oui? Bonjour madame، je suis Sarah، l'amie Enchantée de vous connaître, Sarah. Marie m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Alice, la mère de Marie. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Sarah. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Sarah, l'amie de Marie. Très heureux, mademoiselle. Enchantée, monsieur.

Bonjour madame, je suis Sarah, l'amie de Marie. Bonjour madame, je suis Sarah, l'amie de Marie. Ah, enchantée de vous connaître, Sarah. Ah, Enchantée de vous connaître, Sarah. Marie m'a beaucoup parlé de vous. Marie m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Alice, la mère de Marie. Je suis Alice. La mère de Marie. Enchantée, madame. Enchantée, madame. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Sarah. Eh bien, entrez, Sarah. Voilà mon mari. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Sarah, l'ami de Marie. Je te présente Sarah, l'ami de Marie. Très heureux, mademoiselle. Très heureux, mademoiselle. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous prie. Asseyez-vous. Je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose Vous voulez prendre quelque chose Vous voulez prendre quelque chose Un petit café Un petit café peut-être Un petit café peut-être Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose Un petit café peut-être Non, merci. C'est très gentil. Non, merci. C'est très gentil. C'est très gentil. هيا لنتعرف الآن على العبارات التي تمكننا من تقديم شخص ما إذا عندما تكون برفقة أحد ما وتريد أن تقدمه لشخص آخر فأنت تستعمل عبارة أو تطرح السؤال التالي هل تعرف هذا الشخص هل تعرف هذا السيد هل تعرف هذه السيدة أو تعرف هذه الأنسة نقول ذلك باللغة الفرنسية Vous connaissez monsieur؟ vous connaissez madame vous connaissez mademoiselle ونستعمل عباره vous connaissez في euh, العلاقه الرسميه vous connaissez monsieur vous connaissez madame vous connaissez mademoiselle في العلاقات الغير رسميه قبل تقديم احدهم نطرح نفس السؤال ولكن بعباره tu connais Tu connais, tu connais mon ami Pascal, tu connais mon frère, tu connais mon ami Pascal, tu connais mon frère. Je vous présente ma sœur Marie. Je vous présente mon mari. Je vous présente mon ami Paul, ou bien mon ami euh, Salma, ou bien mon ami Pascal. Je te présente. Je te Présente. Et c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Le différence entre « tu » et « vous ». Donc, je te présente ma sœur Marie. Je te présente mon mari. Je te présente mon ami Paul. Il est à faire. Nous c'est ». C'est ma sœur Marie. C'est mon mari. C'est mon ami Paul. Ou « voilà ma sœur Marie ». Voilà mon mari, voilà mon ami Paul. Si Permettez-moi de vous présenter notre nouveau collègue au travail. Permettez-moi de vous présenter. هذه euh, Permettez-moi de vous présenter. What par exemple, notre nouveau collègue au travail, notre nouveau collègue au travail, notre directeur, notre nouveau médecin. Il est Pour répondre aux présentations. يعني عندما تجيب على تقديم ما عليك أن تجيب بالعبارات التالية حتى تظهر أنك سعيد بمعرفة هذا الشخص أو بمقابلة هذا الشخص تقول Je suis Je suis Enchanté Je suis enchanté. ونضيف E في آخر كلمة Enchanté إذا كان المتكلم أنثى إذا كان المتكلم أنثى Je suis enchantée Je suis heureux Je suis heureuse Je suis heureuse Je suis content Je suis content Ah je suis contente Je suis contente Je suis ravie Je suis ravie! Je suis, je suis enchanté de vous connaître. Je suis enchanté de vous connaître. Je suis heureux. Je suis heureux de vous connaître. Ou bien, je suis heureuse. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je suis content de vous rencontrer. je suis contente, contente de vous rencontrer. Je suis ravie de vous connaître. je suis ravie de vous rencontrer Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis enchanté de par je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je suis content de faire votre connaissance. Je suis

مؤنث نضيف أو حتى نفرق بين المتكلم أو المتحدث الأنثى والمتحدث الذكر الآن سنتعرف على العبارات التي تسمح لنا بتقديم أنفسنا يعني لا أحتاج لأحدهم حتى يقدمني لشخص ما بل سأقدم نفسي أنا سأقدم نفسي لأحد ما bonjour bonsoir اقول je me présente je me présente je suis je suis mon nom est mon nom est je me nomme je me nomme je me présente seulement. Je me présente Selma. Je suis Selma. Ah oh, ou je suis Ali. Mon nom est Selma. Mon nom est Ali. Je me nomme Selma. Je me nomme Ali. Bonjour. Je me présente Selma. Bonjour. Je suis Salma Bonjour mon nom est Salma Bonjour je me nomme Salma Si Bonjour je me permets de me présenter je m'appelle Salma Bien je m'appelle Ahmed je m'appelle Ali Il est à faire. Bonjour

J'ai 26 ans et je suis chinoise. J'étudie l'économie. Je parle chinois, anglais et j'apprends le français dans une école de langue. Je m'appelle Ming Pei. J'ai 26 ans. Et je suis chinoise. J'étudie l'économie. Je parle chinois, anglais et j'apprends le français dans une école de langue. Ça, <t> tu l'as vu, Marie, en nous, min agile, t'a kdim, en foussina, yéjib alina oualan, je m'appelle. Je m'appelle Oda. Je m'appelle. Nous aussi l'âge et j'ai 26 ans, j'ai 30 ans, j'ai 18 ans. Et je suis chinoise. Nous yani aussi Et je suis chinoise. يمكن ايضا ان نقول ان نعرف بنوع دراستنا او اذا كنا نعمل نقول ماذا نعمل اذا اذا كنا مازلنا طلابا نقول جيتودي

Je parle chinois, anglais et j'apprends le français dans une école de langue. Je parle chinois, anglais et j'apprends le français dans une école de langue. لاحظت معي أن أول شيء نذكره عندما نريد تقديم أنفسنا أو تقديم أحدهم هو ذكر الاسم ونحتاج إلى فعل سابولي سابولي يدعى سابولي ونصرف هذا الفعل في الحاضر أو présent دو إذا يجب أن أضبط تصريف فعل سابولي أو بريزون دو حتى أنجح في تقديم نفسي أو تقديم أحدهم باللغة الفرنسية نقول لك چو جيدا كيف يصرف الفعل چو جان جون تو تابال علي تو علي إل سابال أحمد إل سابال أحمد إل سابال سلمى إل سابال سلمى نو نو سابالون جون نستعمل نو عندما يكون هناك شخص سيقدم نفسه مع مجموعة من الأشخاص الآخرين Nous nous appelons Jean et Salma. Au moins, il faut qu'il y ait un personne, qui parle, qui se présente, avec une autre personne. Au moins. Nous nous appelons Jean et Salma. Vous vous appelez Ali et Layla. Vous vous appelez Ali et Layla. Il s'appelle Ahmed et Fatima. il s'appelle Ahmed et Fatima donc نستعملها عندما يكون هناك مجموعه من الاشخاص على الاقل شخصين احدهما انثى والاخر ذكر او كلاهما ذكر كلاهما او كل اشخاص ذكور او مجموعه من الاناث مع ذكر واحد يعني عندما يكون هناك فقط ذكر واحد مع مجموعة من الإناث نستعمل الضمير إل avec أس إل avec أس إل سَأَبَلْ أَحْمَدَ فاطمة إل سَأَبَلْ سَلْمَةَ ليلا إل سَأَبَلْ سَلْمَةَ ليلا نستعمل ضمير إل عندما نريد أن نتحدث عن إناث فقط إناث لا وجود لذكر بينهم. Elle s'appelle Selma et Lila. Inda ta kdimi napsina ou ta kdimi a hadihim, n'achège ila fil être. Être au présent de l'indicatif. يعني اتخ في الحاضر يجب تصريف فعل أدخ في الحاضر ويسمح لنا اما بتقديم الجنسيه او ايضا تقديم العمل بالنسبه للمهن وبالنسبه للجنسيات هذه مصطلحات ان شاء الله سندرسها في فيديوهات اخرى مخصصه فقط لاغناء الرصيد الان فقط ركز على فعل أدخ في الحاضر أدخ او بريزون دو

Elle est norvégienne. Elle est norvégienne. Nous sommes français. Nous sommes français. Vous êtes tunisien. Vous êtes tunisien. Ils sont canadiens. Ils sont... canadien l's espagnol l's إسبانيول نحتاج ايضا الى فعل avoir في الحاضر عندما نقدم انفسنا او نقدم شخصا ما وخصوصا عند تقديم العمر عندما نريد ان نقدم العمر ان نتكلم عن عمرنا

Soixante et onze ans. Elle a soixante et onze ans. Elle a soixante et onze ans. Nous avons six ans. Nous avons six ans. Vous avez treize ans. Vous avez treize ans. Ils ont 52 ans ils ont 52 ans elles ont 37 ans elles ont 37 ans لا تشغل بالك الان بالارقام باللغه الفرنسيه لاننا سندرس ذلك في فيديو اخر مخصص فقط مخصص فقط للارقام باللغه الفرنسيه والان من اجل تثبيت كل ما درسنا ساقترح عليك بعض التمارين جد بسيطه خذ وقتك من اجل التفكير اجب بصوت مرتفع لا تنسى ان تدون جميع هذه التمارين على دفترك وهيا بنا لنبدا المطلوب منك في التمرين الأول هو أن تكمل كل جملة بالكلمة المناسبة هذه الكلمات المكتوبة بالأحمر تمثل فعل أفواغ في الحاضر فعل أفواغ مصرف في الحاضر La consigne est complétée avec les formes suivantes. Avant, à. Tu Quel âge? Tu Quel âge? J apostrophe ou euh, jeu? 18 ans 18 ans Tu Des amis Tu Des amis? oui? J'. Apostrophe. Deux amis de nationalité française. Deux amis de nationalité française. Rachida, 22 ans comme toi? Rachida, 22 ans comme toi? Non. Elle, vingt ans. Non. Elle, 20 ans. Vous, un apostrophe, pas, cours aujourd'hui. Vous, n'est pas cours aujourd'hui. Si nous en, si nous en, elle est tu as quel âge J'ai 18 ans. Tu as quel âge J'ai 18 ans. Tu as des amis Tu as des amis Oui, j'ai deux amis de nationalité française. Oui. J'ai deux amis de nationalité française. Rachida a 22 ans comme toi. Rachida a 22 ans comme toi. Non, elle a 20 ans. Non, elle a 20 ans. Vous n'avez pas cours aujourd'hui Vous n'avez pas cours aujourd'hui سي nous en سي si nous en, avant. Si, nous en avant. بالنسبة للتمرين الثاني وهو تمرين جد بسيط سأطلب منك أن تكمل بمعلوماتك الخاصة هذا التقديم بونجور جو مابل إكس جو سوي وهنا تضع الجنسية جو سوي جي وهنا تضع العمر جي جو بارل اي تضع اللغات التي تتحدث بها ان كانت هناك لغه واحده او لغات متعدده جو بارل اي يعني ما هي اللغه التي تتعلمها الان جو بارل اللغه التي تتحدث بها بطلاقه اي جابران اللغه التي تتعلمها بونجور جو جَسُوِي جو سوي جي Je parle et j'apprends. وصلنا الى نهايه هذا الدرس اتمنى انه قد نال اعجابكم وانكم قد تعلمتم من خلاله كيف يمكنكم تقديم انفسكم او تقديم احد ما في حياتكم اليوميه اضرب لكم موعدا اخر في فيديو اخر في نفس الساعه ونفس المكان يوم الاثنين ان شاء الله الى حين ذلك اشكركم على ثقتكم واقول لكم الى اللقاء